Je pars libre et conscient, je vaucher l'océan, renverser les marées, retourner les courants. Je pars pour ce désert où meurent les frontières, inventer des cités inondées de lumière. Je pars, écris au monde, l'ivresse. Si je devais donner envie à quelqu'un de venir voir le spectacle, je lui dirais ose te laisser surprendre. Parce que c'est surprenant. On n'est pas dans quelque chose de conventionnel et il y a plein de surprises et c'est une invitation au voyage. L'urgence d'exister. On est dans un tel moment de l'histoire du monde où on doit penser les choses autrement. C'est état d'urgence de la créativité aujourd'hui. Pourquoi ça me plaît qu'il y ait des dessins autour de mes chansons ? Ça démultiplie en fait le pouvoir imaginaire d'une chanson. Le dessin se fait en deux temps. D'abord la couleur, donc c'est un peu abstrait, c'est des formes de couleurs, et puis après je pose la ligne par-dessus. Dessinateur, c'est un musicien supplémentaire. C'est-à-dire qu'on écrit une partition ensemble, en temps réel, à plusieurs voix. Et il écrit avec ses pinceaux, avec ses couleurs, ce qu'on écrit avec des notes, avec des nuances, avec des intentions. Je prépare le jour même, pendant que les musiciens s'échauffent, on va dire. Et je me mets dans l'ambiance, je me mets dans un coin et je griffonne en écoutant un peu ce qu'ils font. X fois que je vois ce spectacle pour la bonne raison que je suis derrière les consoles et que j'ai toujours autant d'émotions. Septembre 91, une heure que nous planons au pays oublié par-delà la bête. J'ai bien envie de rêver le monde un peu mieux quand même. Je crois que c'est un des rôles des poètes, ça, de dire eh oh, ces trucs-là qui nous paraissent immuables. Cette crasse-là dans laquelle on est plongé, on peut la faire bouger. L'air remplit les poumons des grandes orgues. Un souffle uni s'élève d'un cœur de femme. Pour moi, l'idée, c'était aussi de pouvoir quitter le piano. J'aime beaucoup pouvoir aller choper les gens d'un peu plus près, quoi. Au premier coup d'œil, le spectateur se dit bah, « Tiens, je vais entendre un récital piano-voix. » Il y a de la surprise, il y a du mouvement, il y a des choses très, très, très variées. Le grand soir est à droite devant. Révolution par la place. Tous ensemble, pour une faillite équitable. On a un peu des retours après le concert, les gens nous disent « Ah là, ça, c'était chouette à ce moment-là, avec le dessin et la musique, ça s'est vraiment bien marié. » Parce que le dessin, c'est comme la poésie, dans le sens où c'est évocateur, c'est pas illustratif. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui te dit ce que tu dois penser ou ressentir. Le spectateur, le lecteur, l'auditeur, doit faire son propre chemin. C'est-à-dire qu'on invite les gens aussi à être eux-mêmes, en leur donnant pas du tout cuit.
je me dis qu'il faut qu'on... Enfin, voilà, faut surtout pas qu'on pense nos élans en petit. Voilà.